Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Donc un ASMR sur Minecraft. On continue la petite série que j'aime vraiment faire. Donc comme vous avez pu le constater, je suis vraiment très actif en ce moment sur YouTube parce que j'ai beaucoup de temps maintenant. Et donc là, hop, on va continuer dans cet épisode cette maison. Donc voilà, donc comme je le disais, je suis actuellement en ce moment beaucoup plus actif que avant, tout simplement, parce qu'avant j'étais quand même très très inactif, alors je sais pas, mince, je sais pas sur combien de temps, non, c'est bon, je sais pas sur combien de temps va durer mon activité, entre guillemets, mais en tout cas pour l'instant, j'en profite, pour l'instant je suis content de moi, je suis content de ce que je fais, et ça a l'air de vous plaire aussi, donc c'est vraiment cool. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, vous l'aurez compris, on va continuer la maison. C'est pour ça que là, je plante du bois et que je récolte. Parce qu'on n'a pas encore fini totalement les fondations qu'on avait commencé la dernière fois. Et donc là, on va la continuer. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Moi, écoutez, c'est un vrai plaisir là de continuer de filmer ça. J'ai vu qu'il y avait quoi du bois. C'est vraiment quelque chose qui me plaît d'avoir cette envie, voilà, de faire ces petites vidéos sur Minecraft. C'est vraiment cool et j'ai vu que ça plaisait à pas mal d'entre vous, donc je suis vraiment content. Hop, allez, donc on va récupérer un petit peu de bois et on va continuer la maison. Voilà. Alors, j'avais décidé qu'on ferait quelque chose, ouais, comme ça. Donc, qui va continuer comme ça. Ouais, comme ça. Et hop. Donc, ça va être une maison style à l'ancienne, un peu. Et ça va demander beaucoup de bois, donc c'est le petit souci. C'est que les ressources sont pas illimitées. Hop. Après, ça va, là, j'ai réussi à planter quand même pas mal d'arbres. Ça c'est cool. Parce que je peux pas prendre ces arbres là parce que le bois est gris, donc ça rendrait pas très bien. Hop, donc je vais aller mettre ça ici aussi. Hop. Et normalement, on n'est pas loin d'avoir terminé les fondations. Ouais. Donc ensuite, il faudra faire le toit. Et donc là, on va pouvoir s'attaquer au mur. Ah oui, aussi, j'ai terminé de faire cuire le verre. Donc, je me demande si on pourrait pas faire quelque chose comme ça. Histoire, voilà. Je sais pas si je laisse ça ou pas. Ouais, non. Non, ça rend pas très bien. C'est pas grave. Je ferai ça plus à l'étage. Voilà. Du coup, pour le son, je trouve que c'est un petit peu mieux qu'avant, personnellement. J'ai pu réécouter l'ancien épisode et je trouve que c'est quand même... Oh, je trouve ça mieux, voilà, après, peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, moi, je trouve ça quand même mieux. J'enlève ça. On a un autre arbre qui a poussé, j'ai plein de pousses d'arbres, donc là, on va constamment avoir du bois à disposition, normalement. Hop. Voilà, on va aussi avoir pas mal de pommes, donc ça, c'est sympa. Je vais récupérer cette pousse là. Celle-ci, hop. Tac. D'autres pousses là. Donc, en quel bois est-ce que je vais faire les murs de la maison? Bah, je pense en bois comme ça. Hein. Ça serait vraiment tout simple. Donc, du coup, hop. On va convertir ce bois. Et puis, on est parti pour faire les murs de la maison. Sinon ça, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, si vous êtes à l'école ou au travail. J'espère que ces vidéos vous plaisent, parce que ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir aider des gens. Genre des gens qui ont envie, voilà, de rentrer chez eux, prendre un petit moment comme ça pour souffler un peu des journées. Parce que j'ai récemment connu des journées très tendues, et
je peux vous dire que avoir un petit moment exutoire, un petit moment prendre du temps pour soi, ça aide vraiment. Puis si on peut en faire en sorte que ce moment soit le plus long possible, ça aide aussi. Alors, hop, du coup, on va manquer de bois, mais c'est pas grave parce qu'on a des arbres qui vont continuer à pousser derrière et on va pouvoir aussi mettre des fenêtres. Alors, pour crafter des fenêtres, il faut prendre du verre et voilà, comme ça. Et du coup, on va pouvoir on va en mettre après comme ça. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Alors ici, du coup, ouais, ici, on va plutôt faire quelque chose comme ça. Ouais, comme ça rend bien. Alors ici, du coup, pareil. Petite fenêtre ici. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la lumière dans la maison. Ce serait bien. Fenêtre ici. Donc on a nos premières. Ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose, j'ai envie de dire. Donc c'est pas mal. On va aller récupérer encore les pousses d'arbres et les pommes. Et puis le bois du coup. Ah oui aussi, du coup voilà, ça commence à pousser aussi pour nos petites fermes. Mais là, c'est, on se fera une vraie ferme, on va dire, une vraie, oui, bah des vraies cultures. Là, c'est vraiment temporaire, c'est histoire de d'avoir des ressources, d'avoir beaucoup de ressources pour plus être embêté. Mais voilà, en tout cas, ça sera une vie. Ah mince, j'ai plus de hache. Ça sera une vie tranquille hein, sur Minecraft. On va pas avoir des tas d'aventures, mais ça va être sympa. Continuer de prendre le bois qu'on a pas pu récupérer. Hop. J'ai bientôt plus de pelle non plus. Tiens, une vache. Salut. Je vois que cet arbre-là part pas, donc il doit rester encore des bûches coincées. Ouais. C'est ça qui est embêtant avec ces arbres-là. C'est qu'il y a pas mal de bûches, mais que du coup, ça met du temps à tout disparaître parce qu'il en reste toujours quelques-unes. Hop. Et voilà. J'espère aussi que si jamais il y a des personnes qui connaissaient pas Minecraft, ça puisse peut-être vous permettre de découvrir le jeu. On sait pas, peut-être. Ce serait assez gratifiant pour moi de savoir que j'ai pu faire découvrir le jeu à quelqu'un d'autre. Alors du coup, je sais pas si je rajoute une pièce là, ou si je garde comme ça. Si je referme ici, ou si je refais une pièce à l'arrière. Ouais, je pense que je vais refaire une pièce ici, une petite. Donc du coup, on va encore récupérer du bois. Enfin des bûches en tout cas. Ouais, là on a vraiment beaucoup d'arbres qui ont poussé, c'est super. Après, il faudrait qu'on ait des os pour pouvoir faire de la poudre d'os et avoir des arbres sur commande. C'est sympa là-bas, on a une petite chute de lave. C'est plutôt beau. Ah oui aussi, j'ai augmenté la distance donc on voit plus loin. On a un peu plus d'aspect sur la vue, sur les montagnes, etc. Voilà, donc j'ai vu que ça, que mon PC pouvait tenir même si j'étais en train de filmer en distance normale. Donc j'ai décidé de laisser comme ça. Voilà, donc j'espère que ça rend bien, mais je trouve que c'est quand même plus agréable de voir plus loin. Ouais, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, hop, on a du bois ici.
pièce comme ça, ça sera pas du tout grand. Ouais, genre comme ça. Hop, hop. Ce sera une espèce de petite sortie finalement. Sans donner plus de volume à la maison. Plus de place. Encore une fois, c'est pas des maisons de grande classe hein, que je vais vous proposer. Moi, c'est vraiment. Encore une fois, je suis pas le dieu de Minecraft. Je suis pas un super expert du jeu, mais j'ai mes connaissances et voilà. Bon, là, on n'a plus de bois. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est qu'on va détruire ce truc. On va reposer là. Je vais prendre ça. Poser là, là, là. Et on va détruire ça. Je vais essayer de retrouver les toutes dernières bûches. Hop. Voilà, je pense que ça, c'était la dernière. En tout cas, une des dernières. Ouais, ça me paraît bon là. Là, je pense qu'il y en a plus. Il y en a plus. C'est bon. Ok, super. Donc, ça va commencer à disparaître. On a encore plein d'arbres à planter. Donc, ça cool. Il n'y en a aucun qui a poussé encore dans les alentours. Voilà ce que je vais faire. Tout simplement. Même si c'est pas fini, on va commencer à refermer ici quand même. Ici aussi. Et ben ça va commencer à ressembler à quelque chose. On va continuer de poser des vitres. Donc ici on va mettre une. Ici on va en faire comme ça. Ce sera vraiment histoire d'avoir de la lumière dans la maison en journée. Ici aussi. Quoi qu'ici, non, ici on va mettre une porte pour sortir directement par là. Et donc ici, on va en mettre 3. Et du coup, je vais en reconstruire. Et j'hésite, je pense qu'on va peut-être faire un étage à cette maison. Donc un escalier qui se situerait, je sais pas trop où, mais en tout cas, ça pourrait être sympa. Hop, et on va voir du coup, ouais, il y a un arbre qui a poussé là-bas. Ça met du temps à pousser par contre le blé. Mais c'est parce que je n'ai pas planté assez aussi. Hop, on a plein de pousses d'arbres ici. Donc et construire une maison, c'est pas de tourbeau, je peux vous le dire. Beaucoup de trucs à faire. Ça rend pas mal de loin, même si c'est pas fini. Ça et ça, et voilà, on a terminé les fondations de la maison. Voilà, donc on n'aura plus qu'à faire le toit, enfin les toits d'ailleurs, parce qu'il y aura plusieurs toits différents, mais on n'aura plus qu'à faire le toit de la maison et ça sera nickel. Donc, on va faire une porte. Ah non, j'ai plus de pelle. D'abord, avant de faire une porte, on va faire une pelle. Aussi pour pour avoir des outils en diamant, etc. Je pense que je retournerai dans les mines, mais tout seul, sans vous prendre en vidéo, parce que voilà, je sais que c'est pas très intéressant, donc je le ferai tout seul de moi-même. Et voilà. Parce qu'on en aura quand même besoin, histoire d'avoir vraiment de très bons outils. Mais ouais, ça rend pas mal. Mais là, je pense qu'en vidéo, ça serait pas très très intéressant. Ok. Donc, là, on va pouvoir crafter déjà les premiers escaliers. On va ensuite
on va se laisser ici, mes amis. Ça va déjà faire un petit quart d'heure. Hop. Le temps passe vite, le temps passe vite. Donc, avant de se quitter, je vais vous faire un petit brief de ce qui va arriver prochainement sur cette partie de Minecraft. Alors, hop, je vais juste replanter ça. Voilà. Donc, pas mal quand même la maison, vu de loin pour l'instant. On n'a pas fait le toit, mais je pense que ça va rendre pas mal. Je vous fais un petit tour, si vous puissiez vous rendre compte. Hop, on a des cubes ici. Hop. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça commence à prendre un peu forme. C'est pas une superbe maison, mais c'est déjà bien. Voilà. Donc, on va se quitter depuis notre maison. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, on va essayer de terminer le toit. Ça serait pas mal de faire le toit. Et après, on fera le plancher qui sera pas de la même couleur. Et puis voilà, ensuite je vous exposerai mes idées parce que j'ai pour idée de continuer la ferme. Et puis voilà, donc on aura des petites cultures, des élevages, etc. Donc merci à vous d'avoir regardé, j'espère que la série vous plaît toujours autant. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.